Que toi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de plusieurs trucs. Alors j'ai pas été chez moi pendant une semaine et j'ai reçu tout ça. Donc je sais pas j'ai combien de colis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 est le 8e qui m'attend au point relais. Donc il y a des trucs. Enfin je crois qu'il y a un truc qui est pour moi et pas pour mes dolls. Normalement. C'est sûrement ça. Ouais, c'est ça. On va commencer par ça, bien sûr. Hop, c'est un truc comme les petits vieux pour accrocher à ses lunettes. Sauf que c'est très joli. Voilà. Quand je retrouverai mes lunettes, je mettrai ça. Ensuite, nous avons ce colis. Enfin, ce colis, je dis colis, mais c'est que des lettres en fait. Et on se comprend. Ça, c'est sûrement la robe d'un de mes projets qui arrive bientôt, je pense. Pas du tout. Oh, trop bien, je savais pas que je les avais reçus. Ce sont les jeux de main, enfin jeux de main, les paires de main. Je suis trop habituée à dire ça. Pour Romy, c'est génial. Je pensais pas les avoir reçus parce que le suivi ne marche pas. Donc c'est livré avec deux bagues, mais elles sont hideuses. Ça, c'est pas des bagues, mon frérot, c'est des picot, c'est des. Enfin bref, j'aime pas. Ce sont des mains avec des ongles. Avec des faux ongles, entre guillemets. Ils sont vraiment archi longs. Ça, j'adore. Donc voilà. Parce que c'est vraiment le perso qui a besoin de faux ongles. Je voulais surtout qu'elle ait du vernis de base et d'autres jeux de mains. Mais elle fait que ce soit des ongles très longs. Je suis ravie. Donc ça, c'est pour Kenma. Je crois que ça m'avait coûté 14 euros. Bref, suivant. Je vais ouvrir ça. C'est pas possible, ça m'énerve. Parce que je veux pas couper en diagonale le truc parce que me connaissant, je serais capable de tout arracher. Ah bah, j'avais acheté ça. Ah oui, c'est la deuxième, autant pour moi. Moi, je me rappelle absolument plus de ce que j'achète. C'est une robe, c'est pas celle que je parlais tout à l'heure parce que j'en ai acheté deux. Elle est trop mignonne. Genre, j'en peux plus. C'est une petite robe comme ça, jaune pâle. Avec un col qui fait penser un peu à une fraise. Les trucs, j'allais dire du Moyen-Âge. C'est du Moyen-Âge ça? Enfin bref. Je parle pas de la fraise du fruit, mais on se comprend. Et avec des petits détails dorés. Trop mignon. Et du coup, on a de la dentelle en transparence ici. Et de la dentelle également au niveau des manches. Donc j'adore. Donc petit scratch. Voilà. C'est vraiment trop trop mims. Ah, je vais ouvrir les trucs des créateurs en dernier, je pense. Voilà. Alors ça, je suppose que c'est la deuxième robe que je parlais au début de cette vidéo. C'est totalement ça. Elle est trop belle. Alors... Je sais plus si je l'avais en jaune. Si je l'avais en jaune, bah je les offre en jaune. C'est terrible. Je sais que je l'avais en rose. Et je sais que j'avais d'autres robes que j'avais en jaune et rose. Mais celle-ci, je ne crois pas l'avoir prise en jaune. Je sais que je l'ai en rose, mais je savais pas. J'étais pas sûre. Et puis, j'étais pas chez moi quand j'ai commandé, je crois. Ou j'avais la flemme de vérifier. Aucune idée. Mais du coup, voilà. Une des robes jaunes pour mon petit projet qui arrive très bientôt. Et on va passer aux choses des créateurs. Donc c'est des commandes Etsy. Ça, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Hop. Alors, emballé bizarrement, mais oh, trop mims. Il y a un petit thank you. Trop mims. Je vais pas dire le nom de la boutique parce que je ne sais pas le prononcer correctement. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que la personne a l'air extrêmement gentille. De toute façon, s'il y a des gens méchants, je ne commanderai jamais chez eux. Question logique. Oh, elle m'a fait un cadeau d'une paire, j'en étais sûre. Elle est adorable. Elle est adorable. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est trop gentille. Elle est trop trop gentille. Qu'est-ce qu'elle m'a offert? Je crois qu'on m'en a offert des vertes. Oh, c'est tellement gentil.
c'est adorable. Ah oh oui, elle m'en a offert des vertes bleutées, un vert froid. Oh, c'est génial. Oh, elle est tellement gentille, cette fille. À chaque fois, elle m'offre des paires, c'est fou. J'adore. Oh, elle est trop chou. En plus, j'ai eu un code promo pour ma prochaine commande, c'est trop bien. Alors, je vais vous montrer. Normalement, si ça se passe comme prévu au niveau de mes projets, ça, ce sera pour le projet, on va la nommer Jaune, je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est pour que Romy, j'ai dire Kenma, c'est son ancien prénom. Donc, projet Jaune, Romy, la prunella, et ça, c'est la paire cadeau. Et ça, c'est grave cool, j'adore. Parce que j'ai d'autres projets qui arrivent. Enfin, c'est même plus des projets, je les ai commandés, donc d'autres dolls qui arrivent. Mais en tout cas, trop gentil, trop mignon. Rien d'autre à dire en fait, genre c'est adorable. Je suis trop contente. Du coup, la paire c'était 4€, sauf celle-ci qui a changé à 4,20€. Mais je pense que c'est un problème d'Etsy. Mais je n'ai pas demandé de rechanger le prix parce que déjà il y avait eu un problème parce que ça voulait pas livrer en France. Donc en plus, je lui ai fait modifier sa boutique et tout. Enfin, c'était un enfer pour elle, à mon avis, la pauvre. Donc j'allais pas chipoter pour 20 centimes. Mais du coup, voilà. Et je crois que ça vient de Russie, de Pologne. Voilà, ça vient de Pologne. Et c'est arrivé extrêmement rapidement. Trop gentil. Franchement, j'adore. J'aime les gens comme ça, tu vois. Et là, on va passer sur des commandes qui ont mis un peu plus de temps. Ce sont des customisations. Je sais même plus c'est chez qui. Je crois pas que ce soit chez Dolessette. Je crois que c'est chez une autre personne que j'avais commandé celle-ci. Mais j'ai recommandé du coup pour mon projet jaune une wig chez Dolessette également. Mais il y a un problème de suivi. Je n'ai pas de suivi. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est écrit fait main en anglais. C'est trop mignon. Du coup, ouais, j'ai commandé deux wigs chez cet artiste. Alors, je ne sais pas laquelle j'ouvre en premier pour être honnête. On verra bien. Le suspense est à son rendez-vous. Ok, je sais c'est qui maintenant. Hop. Du coup. Ça n'aurait pas tenu la route, ce petit truc. Mais hop, voilà. Ah, oh, elle est cool. Ça devrait le faire, franchement. Faut la mettre en forme. Elle perd un peu, j'allais dire des poils. Parce que clairement, on dirait de la fourrure. Elle perd un peu des cheveux, mais c'est normal, elle est toute neuve. Je pense qu'en caméra, ça devrait bien ressortir, mais c'est un violet neutre. Voilà, wig courte. Donc ça, c'est pour Jérémy. Je sais plus combien elle m'a coûté, mais je crois qu'elle était en réduction. Donc c'était entre 10 et 15 euros. Plus frais de port. Et malheureusement, les frais de port sont assez chers. Et j'ai regretté après de ne pas avoir commandé du coup cette wig-là, aussitôt. Parce que bah, j'aurais en fait eu un frais de port en moins. Mais bref, du coup, voilà une pépée. Et la deuxième pépée. Attendez, je range ça, voilà. Et la deuxième pépée, c'est pour Lina. Donc bravo à ceux qui ont bien suivi ma vidéo sur les changements de middle. Vous savez qui est Lina. Pour les autres, et ben vous allez attendre que je vous l'explique. Insupportable. Donc exactement le même, même packaging entre guillemets. Hop. Voilà. Donc là, voilà. À part si je suis assez bête pour en avoir deux dans ma collection avec exactement la même perruque. Enfin, exactement la même couleur, je veux dire. Ce n'est pas le cas. Donc c'est pour Lina, ma petite... pareil, ça n'aura pas tenu la route. Ma petite Yeolume. Blackberry. Voilà. C'est une fur wig. Elle est vraiment très mims. Et justement, je cherchais des gens qui faisaient des fur wigs assez longues. Et celle-ci est franchement très cool. Au niveau de la longueur, elle m'a dit que ça faisait à peu près, je crois que c'était 12 cm et c'est la plus longue que j'ai pu trouver. Alors du coup, je l'ai prise. Donc au niveau du prix, je crois qu'elle était plus chère que l'autre déjà parce qu'elle n'était pas en réduction. Et en plus, c'en est une customisée. Au niveau de la couleur, c'en est pas des toutes faites. C'est fait à la demande en fait. Mais du coup, voilà pour aujourd'hui. Je rajouterai sans doute... vite zèf la vidéo de mon colis mondial relais ici. Du coup, heureux.
On est le lendemain et du coup j'ai reçu deux trucs. Enfin j'ai reçu un truc et l'autre on a été me le chercher au point relais. Parce qu'il n'était pas dans celui que je pensais. Donc j'ai pas pu aller le chercher moi-même. Tout ça pour ça. Du coup, ce sont les mains pour Mabel. Je verrai si c'est la bonne couleur ou quoi. Et bah, elles sont très jolies, mais clairement, ça vaut pas du tout le prix. je crois qu'elles étaient à 4 ou 5 euros. Donc oui, c'est très cher. Donc bon, elles sont jolies, mais c'est cher. Et du coup, on va déballer celui-là. Que tout est là. Bon, on va vérifier quand même. Alors, ah ouais, il est rose, merde. C'est un corps que je voulais depuis un moment. Et malheureusement, ouais, il est rose. Bon, tant pis. Je l'ai eu sur Vinted avec tout plein d'autres trucs. Hop. Une petite tête d'Obitsu, une deuxième tête ici. Donc ça je voulais mettre à rose, parce que je les avais vus sur AliExpress, mais j'avais la flemme. Mais ouais, c'est dommage, c'est rose. Je pense qu'on va bien voir la différence, ouais. Oh, c'est trop ballot, il était beau en plus. Franchement le corps il était sympa. Très dommage. J'avais un doute. Mais bon, de toute façon, ça a été vraiment une bonne affaire avec tout ce qu'il y a. J'enverrai peut-être les têtes en make-up. Je sais pas, je verrai bien. J'adore les cheveux. Ils sont trop mimes. Du coup, ouais, deux petites têtes. Ça a pas l'air d'être le même modèle. Déjà, il y en a un natural et un white. Une, pardon. Du coup, oui, il y a eu un corps stock avec des bras de corps stock type 2, je crois. Ça servira pas, mais c'est pas grave. Mais ouais, oh, c'est trop dommage. Mais ça, en vrai, avec une miss qui a beaucoup de blush, ça devrait passer. Je verrai si j'ai une miss sur qui ça peut aller. On ne sait jamais. Au niveau de la taille, je sais pas du tout. Combien il fait? Je crois que c'est un 26. Ouais, c'est ça, 126. Donc c'est cool, mais dommage qu'il soit rose et pas white ou natural. Mais du coup, voilà, pour ce que j'attendais. Donc je crois que j'ai eu ça, tout ça à 10 euros et ça à 5. Du coup, voilà. Mais du coup, voilà pour ce que j'ai reçu. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Bye. Mais je vous ai dit bonjour, je suis pas bien. Bye. Oh. Ça, c'est je perds les habitudes.